Hey, salut. Hey. Hey. Aujourd'hui, je t'emmène faire un bunker de la Deuxième Guerre mondiale. Reste avec nous, sur la ligne Maginot. Et on est à deux pas d'Italie. Putain, je passe les mitards. Un carnage. Ah ouais, faites gaffe là, il y a un beau trou. Je viens de prendre de la flotte sur la gueule là. Ouais, moi aussi. Il y a pas mal d'infiltration, faudra faire gaffe. Oh, ça caille. Là, je pense que c'est des chambres là. C'est quoi ça, frère? Oh, bonne question, il y a une cartouchière. Non, c'est de la batterie. Alors ça par contre, Sandac, c'est de la batterie mais d'époque, c'est de la pile. C'est vraiment d'époque ça. Un t-shirt. C'était fort le bruit. Ouais. Ouais, c'est comme si les choses t'as fait un truc pour courir. Ouais. Et ces espèces de piles, il y en a partout là. Ouais. Allez, ça. Regarde. Ah ouais? Oh. Ah ouais, les coups. Ouais, il y a un truc d'aiguillage. Il y a un trou en dessous, tu crois, ou... Wow! T'as vu l'écho? Ah oui, il est derrière. Il est énorme. On va à gauche ou à droite, les gars? À droite, toujours droite. Allez. C'est un truc de dingue. Et là, il y a plus d'écho, là. Et... Non. Ça va pas être grand, ici. Alors lui, c'est cisaille, hein. On sent le travail avec la pression de la terre dessus. Sac de ciment, les gars. Ah, les yeux et tout. Là, c'est quoi cette chambre aussi? Vous avez entendu du bruit encore? Ouais, là j'ai entendu respirer juste à côté de nous. J'ai peur après dire ça. Ça vous fait plus que là. On va pas être derrière. Oh, il est énorme celui-ci. Hein. En fait, ça Fred, c'est des blocs. Était. On devait le bloc. On ah. C'était dangereux. Ah, c'est sûr, c'est... Alors, pour info, pour t'expliquer un peu, on a un peu galéré pour trouver l'entrée. Le premier bloc qu'on a fait, il y avait une entrée. Avec un trou sans échelle, donc on n'a pas pu l'emprunter. Du coup, on a trouvé ce deuxième bloc qui est un peu plus loin, et ils viennent de trouver
Le bloc il mène à l'échelle. On va regarder au sol où je fous les pieds. C'est hyper mou, ça s'enfonce. C'est un mélange de terre, de bois pourri. J'ai un peu fait un moustique. Regarde, ils sont tous là. Ouais. Je sais pas si ça se voit à la cam, mais il y a des moustiques de partout là. Ah, c'est plein de moustiques. C'est mal, j'espère. Hein. Bah, je pense pas que ce soit des moustiques, mais. Je sais pas, c'est des mâles. C'est des insectes en tout cas. Ils sont tous autour de vous. Ouais, c'est la lumière qui les attire. Ils sont dans le noir. Habituellement, ouais. Il y a beaucoup de bottes coffrage. Hein. Alors là c'est vraiment ce que j'explique, le travail de la terre là. La terre fait pression et les blocs bougent, là ça se cisaille. Là il fait peur. Hein. Donc apparemment il est en train de s'effondrer. D'accord, donc au-dessus c'est le bloc. Ça fait peur, hein, c'est le premier bloc. Hein. Il faut en faire gaffe. Ouais, c'est rempli de moustiques. Ah ouais ? Ah ouais. Ah oui, du barbelé effectivement. Ah, c'est bizarre, je suis désolé d'avoir les oreilles. Hein ? Attends, je suis désolé d'avoir les oreilles. C'est horrible, hein ? C'est une moustique, je pense. Wow, oh punaise ! Alors, je sais pas si vous voulez voir la cam, j'essaie de me rapprocher, mais. Ils sont en train de me bouffer là. Oh, je les entends carrément bourdonner. Oh, il y en a partout. Oh putain, oh, je vais dégager de là. J'en ai partout là. J'en ai deux partout. Aïe. Ils ont vu un morceau de viande là. Oh, il y en a de partout. Oh, il fait. Si vous avez des pantalons, moi, il fait chaud là, il y a une différence de température entre là-bas où j'étais et ici. Ça s'est senti ici. Aïe. Ici, c'est ouf. Ouais, c'est oppressant là. Donc là, on était sur la droite, on va emprunter le chemin de la gauche. Une caille. Je vais équiper la frontale. Je sais pas si c'est le plancher, ouais, c'est le plancher qui s'est bouffé. J'espère. Gaffe où vous mettez le pied quand même, hein. C'est... Sérieux? Là je t'assure Fred. Là je fais pas du bazooka, ça vient juste de courir juste derrière moi. Je crois qu'on va ouvrir une section paranormale. Non, on sautait, on le sonnait. Là c'est concrétion là. Attends, je vais essayer de me mettre là. Attention ici. Je te mens pas, regarde. Ouais, regarde, après il a... Fred, je te mens pas. Ah oui, il a l'épaule complètement dévissée là. Regardez. Ah, je vais m'entendre, ouais. Attends, des bruits sourds, non, il y a des bruits sourds, comme les pas. Non, c'est pas ça. Waouh! C'est mal. Wow. Je vérifie le plafond quand même, hein, qu'il n'y ait pas un truc qui nous tombe dessus. Alors là, c'est chaud. Hein. Et, attends. Ouais, il y a plus derrière, tu vois. Waouh! C'est pas chaud, hein. C'est ça. Les tuyaux. Pour les aérations, non? C'est des flexibles, ouais, mais... On dirait des auges. Ça, c'est pour la société... Je dis pas, c'est pas des gamates.
Je sais pas s'il si est achevé celui-là, on dirait, hein, mais il y a encore, y a encore de la boiserie, de coffrage et des sacs de ciment. Le coffre. Les clous. Pour celui-là, je fais pas tout seul, tu vois. Ouais. Pourtant, vous êtes là. Moi aussi, les mêmes. C'est bien tout, c'est. Y'a aucun galerie. Non, regarde, y'a les sacs de ciment encore. Regarde. Ce qui reste, les sacs de ciment. Y'a aucune galerie, y'a que des non, moi, ce qui me tue, c'est ces boiseries. J'ai jamais vu de boiseries au sol dans des bunkers. Y'a encore les. Tu vois, les piles. J'ai pas vu d'électricité, j'ai pas vu de générateur. Il est pas mal, hein. Ouais, il est grand. En un petit ouvrage, ça va, hein. Je suis au presse. Ouais. Il est à 10 degrés, là. Il a flotté au sol, hein. C'est posé au sol. C'est la paille. C'est brut de décoffrage, tu vois, il n'y a pas eu de. Regarde, il venait dans le danger le coffrage. T'as pas fait des enduits encore. C'est la fille, là. Ouais, c'est pas ça. C'est bizarre. Alors là, c'est bizarre parce que le ciment, là, on dirait qu'il est comme neuf. Comme si ça venait d'être fait. Hein? Je suis empressé. Alors là, la meilleure place, c'est toi qui l'as là, assis sur ton fauteuil, devant ton écran. Le barbelé encore. Ah oui. Bon. Combien? Là, j'irai facile 20 mètres. Facile, hein. Fred, ne bouge pas. Ne bouge pas, c'est magnifique. Ah, bouge pas. C'est quoi? Oh! Ah oui! Alors lui, effectivement, il est magnifique. C'est le premier spécimen comme ça que je vois. J'espère que c'est pas ceux qui mordent, s'il y en a qui mordent. Il est bon, là. Ouais. Ah, une butée de bière neuve, là, les gars. Ah, il est vraiment beau. Puis la caméra, c'est de le montrer de plus près, n'ayez pas peur. Un crocodile. Il est magnifique. Je suis pas fou. Allez, on va le laisser partir. Attention, on peut aller marcher dessus, les gars. Allez, pas un petit moment là. J'espère que les chiens laissent la tenir. Oh putain, j'ai un bon paquet à monter. Hein. Ça fait haut là. Hein. Oh punaise. Ah, j'ai peur. Chauve-souris. Je sais pas si tu la vois là. Allez, elle est pas mal. Alors.
crois que c'est le système de récupération des douilles, ça. Les douilles de tir. Si des tirs tombaient là-dedans. Et normalement, il doit y avoir un système d'évacue pour les fumées. Donc là en haut, c'est une tourelle. Vu qu'il y a ce système de récup, c'est pas simplement une tourelle d'observation. Il va y avoir un fusil mitrailleur. On va aller voir ça. Elle est magnifique. C'est la tourelle la plus spacieuse que j'ai jamais vue au cours d'une explo. Comme ça. Elle est vraiment spacieuse. Et des créneaux de tir de partout. L'épaisseur de la cloche, il est monstrueux. Le mécanisme pour monter et descendre le plateau. Le fauteuil ici. Wow. Alors le méca là, il est pété. Je suis pas très rassuré parce que la voie elle est un peu pourrie. Je vais montrer vite fait la vue là. Bon bah écoute. Je vais descendre rejoindre la team. Je vais t'épargner l'échelle. Moi par contre, je vais la déguster. On se retrouve en bas. Oh. Oh. Alors c'était pas prévu, hein. J'allais faire une séquence en fait. Il y a Anto qui a lâché une caisse comme d'hab. J'ai l'impression d'être casé par des gaz de combat là. Putain, je suis ta mère. Entre frères. C'est où? Du coup, on a terminé l'ouvrage. La cloche était le dernier point. Du coup, alors, attendez, parce que là, je vois, en fait, j'ai mes spots dans la gueule, je vois pas où j'avance, en fait. Je prends un mur dans la tronche. Du coup, on se retrouve à l'extérieur. Eh bien, cette vidéo se termine. J'espère que tu l'as kiffé autant que nous. Non, c'est vraiment éclaté. Vraiment, quelques petites frayeurs, un peu de caca dans la culotte, mais bon, c'est le risque. Eh bien, du coup, je te dis à la prochaine. Très bientôt, tchou-tchous. Tchou-tchous. Tchuss.